Alors, je suis sur le plateau au-dessus de Châteauneuf. J'ai la carrière à droite, là. J'ai fait le tour à l'extérieur d'une espèce de filet, un grillage pourri. Mais c'est vrai que c'est impressionnant le trou là-bas. Alors, la première des descentes, celle qui atterrit au bord de l'autoroute où il y a le bâtiment avec les deux antennes Free, les antennes GSM. Je descendrai peut-être par là tout à l'heure, si j'arrive à remonter, parce que j'aimerais aller voir les deux descentes de là-bas, la descente de la dalle et celle des Biquettes. Et à mon avis, ce serait plutôt celle-là, celle des Biquettes, parce que là où il y a les antennes, pour l'autoroute, il y a souvent les chèvres là, sur le talus. Bon allez, je vais rejoindre là-bas. Ah, j'ai quitté la piste du bord de falaise. Oui. Il y a de partout des départs, hein, des descentes. Après, faisable ou pas, j'en sais rien. Mais ça m'embête d'essayer avec l'électrique. Si je reste coincé dans un endroit où il faut tout remonter, non, c'est pas bon. Là, par ici, il y a le départ de la descente des Fourques. Celle qui m'intéresse, c'est la descente de la dalle pour le moment. C'est un peu galère, hein. Jamais de la vie je remonterai pas par là, moi. Bien trop pentu. Là, on va où? Putain, à gauche il met. Bon, ben à gauche, hein. En fait, là, je vais arriver au départ aux arrivées des descentes. Mais bon, c'est... ça ne m'arrange pas trop. Ça. Apparemment, c'est obligatoire de monter par les... pas par là, parce que ça ne me semble pas terrible. Alors, on verra. Pour le moment, si, ça se remonte. Hein. Après, le petit bout de 100 mètres, raide, ça doit le faire. Non, non, c'est pas évident à remonter, hein. Loin de là. Oh là, quelle galère. En fait, pour les faire, il faut venir avec un vélo léger, un sac à dos, fait de monter avec le vélo sur le sac. C'est beau, hein, à part ça. Allez, je vais voir à l'arrivée là-bas. Autoroute maintenant. Et voilà la fameuse arrivée qu'on voit sur les vidéos de Bruno.
avec les bancs là. Il y en a une qui remonte par là. Je pense que ça va être super difficile. Par là, il y a la descente de la dalle. Je ne vais pas y aller, monter à 2 heures, hein, s'il y en a un qui arrive en face. Fais un test, voir ce que ça donne. Il faut pousser jusqu'en haut. Pas facile, hein. Oula. Vache, en plus ça dérape. Ouais, et je n'ai pas fait un quart. Bon, je vais rentrer par la route. Heureusement qu'il n'y a pas de poids dans ces fils. Bon, finalement, je suis remonté. Avec l'électrique, c'est pas le but, hein. Je suis remonté pour descendre à la première où il y a c'est un château d'eau, je crois, où il y a les antennes frites. Dans Châteauneuf, avec un petit tunnel sous l'autoroute. On parle de biquette. Bon, là, le biquette. Juste au bord du ravin. Et voilà ce qui me semble être la bonne descente, on verra bien, je ne connais pas du tout. La trace, c'est même pas celle où je suis. À mon avis, c'est là. Je m'excuse, hein. J'aimerais bien savoir où je suis. Pas envie de me retaper, là, une montée entière, hein. La bravasse, là. Ok.
un trail de randonnée. Petite randonnée. J'ai pas vu passer par là. Ouais, d'accord. Même le guidon il passe pas là. Oh putain. C'était pas là le bon choix. Hein. Ah. La meilleure par là. Un moment. À peu près où il veut le vélo. Hein. C'est arrivé là-bas au fond, le petit chemin où j'étais tout à l'heure, là dans la crevasse. D'ailleurs, donc c'est juste pour voir la faille là. C'est là. Putain, quelle daube! En fait, il y avait un Y juste avant le promontoire, là. Mais pas de coup de frein, pas de trace, rien. Et bien, pourtant, il fallait tourner. Ça me dit d'aller à gauche, moi, mon truc. Ah ouais, il y a froid là. Ouais, en plus, au cas où, ça se remonte. Pas sympathique le voyage là. T'as rien à la trace. Hein. Putain, il y en a qui sont passés par-dessus. Yeah. Putain, bidon 800. Ouais, en tout cas, ça arrive bien à la cabane frise. Aux antennes frises. Il y a une sacrée falaise là. C'est là qu'on a confiance ou pas dans les pneus. Il y a un shot d'eau là à droite. Elles sont là les antennes. Les frises, elles sont circulaires, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Cylindrique. C'est beau. Et le fameux pont que je connaissais pas. Je vais laisser ouvert le grand mur. C'est plus large là.